Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais censé la conduire jusqu'aux lucioles et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire de remède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. C'est pas vrai. Docteur ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu ? Je l'ai sauvé. Quel merdier. Ellie est au courant? Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi? Elle a jamais dit le contraire. On devrait y retourner.
Allez. C'est bon, je m'en occupe. Vas-y. T'es sûr? Ouais. D'accord. Et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. À plus tard, Tommy. Hello. Ellie? La vache. Tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte, mais... Salut. Salut. Tu voulais quelque chose? Rien de spécial. Tu sais... Tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon... dont tu sais... te rendre utile. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Joël, écoute, il est super tard et... Je dois me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps. C'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Qu'est-ce que c'est ? Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sans deck. Je peux te jouer quelque chose? Ok. Super. Tu me promets que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Sometimes you'll succeed to make this pain of me. All my stolen missing parts I've no need for any more. 'Cause I
believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Et voilà, c'est tout. Eh ben, c'était pas si mal. Je prends ça comme un compliment. Elle est pour toi. Oh non, 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 je saurais même pas comment la tenir. Je t'ai promis que je t'apprendrai à en jouer. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais d'une première leçon demain soir? Vendu. Ok. Ok. Est-ce que... la blague t'est revenue? Tu sais quel est le comble pour une horloge? C'est de te voir tuer le temps. C'est vraiment débile. Ouais. Allez, dors bien. Salut. Bonjour. Désolée, j'ai dormi trop longtemps. Je m'habille et j'arrive dans une minute. Il paraît que t'as passé une drôle de soirée. Elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. Ça voulait rien dire du tout. Je parlais de ton engueulade avec Seth. Attends, t'as embrassé Dina? Je croyais... On est séparés depuis une semaine et tu bécotes mon ex? Non. Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux. Moi, je voulais pas... Oh, putain, c'est trop gênant. Tu vois pas que je te fais marcher? Je m'en fous, ça va. Va t'habiller. Oh, t'es qu'un con. Hé, c'était quand même pas très cool. Oh. Dépêche-toi, on est en retard. Ça pue pas. Ok. Allez. Joël est réveillé? On a repéré les infectés au nord. Maria l'a envoyé en patrouille avec Tommy. Ça craint. Ouais, ils ont pas dû beaucoup dormir. Pas autant que toi, en tout cas. Arrête. J'allais justement me lever. Mm-hmm. Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut? Ouais. Je te préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Pourquoi? Ok, petit résumé. T'as embrassé Dina. C'est elle qui m'a embrassé. Qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Ouais.
Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. C'était une soirée bizarre, Jesse. J'ai amusé. Plutôt mouvementé. Donc, tu m'en veux pas, hein? Toi? Non, pas du tout. Dina et moi, c'est du passé. Je sais, mais je veux pas que tu penses. Ellie, tout va bien. C'est promis. Merci. Salut, mon vieux. Oui, ça fait du bien. Merde, ça sent bon. Il y en aura assez. Salut, Jesse. Oh, salut. D'accord, d'accord. Je peux pas dire que c'est bon. Mais la semaine prochaine, je vais un échange. T'as envie d'un petit déj? Non. Où est Maria? Derrière. Pardon. Ellie, viens, je t'attendais. Seth voudrait te dire quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Oh, d'accord. Seth. Seth, viens là. Salut. Écoute, hier soir, j'avais un peu bu. Ouais. J'essaie juste de m'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dina. Ben, j'ai préparé des sandwichs. Ok. À la viande. Merci, Seth. Ouais. Bon. Soyez prudente. Ouais. Je te remercie, Ellie. C'est quoi, ça? Sandwich de fanatique. Ça sent bon. Prends-les. T'es sûr? Vas-y. Je vous raccompagne. Ok. En partant, je veux que tu relèves Tommy et Joël. Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. Je les retrouve où? Ils devraient être au poste de Gainan West un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. J'avais prévu de vérifier la route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière? Non, pas vraiment. Très bien. Dina la connaît bien. Viens par là. Elles pourront y aller ensemble. C'est réglé, alors. Ellie, je peux te parler une seconde? Ça va? Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Maria... Il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûre? Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudente. D'accord. Hé, hey, Dina! C'est l'heure! 2 secondes, j'arrive! Tu peux dire à ta copine d'aller aux écuries, s'il te plaît? Oh, putain. Ha! Dina? Je peux te parler? Hé, hey, les gars! Je fais une pause. Oh non! Ça va durer longtemps? Salut, salut. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave, je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé.
J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et je... T'étais bourré, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Ok. On devrait se mettre en route. Ouais. Non ! Ça va pas, non ? Je joue pas avec vous, moi ! Quoi ? T'as la trouille ? Je déteste vraiment ce gamin. On lui met la misère ? Ouais, bonne idée. Vous l'avez cherché ! Gare à vos miches, les petits cons ! Oh merde ! Mettez-vous à couvert, vite ! Ah, je t'ai eu. On n'est pas encore foutu, Marina. Je vais t'attraper, lui. Mange ça. Ah, t'aimes ça? Dans ta gueule. Oh, non, non. Ta tête, le dis pas à ta mère. Oh. Bim, ça, petite merde. Il est fort, ce gamin. Oh. Alors? Je vais venir te botter les fesses, pour de vrai. On tente ta face. Prends ça. Oh, mais quel lancer magnifique. Ouais, c'est ça, va te planquer. Va te planquer. C'est pas juste. Mangez ça, les crevettes. Hé, alors, ça fait quoi? Non, sur elle. Vous n'allez pas vous en tirer. Stop, lâchez-la, bande de monstres. Ellie, arrête. Allez, pas tout ça, mais on a du travail. Du vent. Oh non. Je l'ai bien mérité, non? Ouais. On y va. Jesse veut qu'on prenne la route de la rivière. Il va relever Joël et Tommy. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Tu vas aimer la balade. Salut les filles. Bonjour. Salut. Je m'en occupe. Merci. Ça, c'est un bon cheval. Regarde qui est là. Merci. Allez, c'est bien. Salut, Paillette. Ah, regardez qui a décidé de nous rejoindre. Ouais. Un pour toi. Et un pour toi. Ouvrez les portes! Bon, écoutez-moi. On y est. Vous connaissez le topo. Vous suivez l'itinéraire, vous prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Si vous tombez sur plus gros que vous, vous revenez. Pas de conneries, ok? D'accord. Allez-y. Thank you.
Salut. Salut. De quoi tu rêvais? J'ai dit quelque chose? Non, mais t'as... tu faisais grincer tes dents. Oh. Où t'es allé? Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi? Je vais te montrer. Viens, c'est par là. La vache, ça caille. T'es sûr que tu veux pas faire ça quand il fera jour, avec quelques degrés de plus? Non, ça peut pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins? Je dois voir ça par toi-même. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça, tout seul? J'arrive pas à dormir. Toi non plus? Plus on va vers le sud, plus c'est joli. Et si on continuait, on pourrait filer jusqu'au Mexique. J'y ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Mani. Ouais, quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Ouais, t'as sûrement raison. T'as fait tout ce chemin dans le noir? Oui. Allez, viens. Si on continue comme ça, on sera crevé avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Ouais, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça? Quoi? Non. Je te rêve. T'inquiète, j'ai eu ma dose. Wow. Eh ouais, on n'est pas tous aussi gracieux que toi. Je vois ça. Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Oh merde. Hé, regarde-moi. Abby, ne regarde pas en bas. Owen... Faudra repasser par là, au retour? Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les carrer, mes peurs. Abby, arrête de me draguer. Je voulais que tu sois la première. J'ai vu des gardes armés patrouiller entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée? Arrive, Owen. Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter.
Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai? J'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hey. Arrête! On se voit à ton retour. Vivant. Dégage. Idée, Abby. Ok. Il peut pas être loin. Ah.
Bien. Allez, viens. Par ici. Je te suis. Est-ce qu'il te manque ? Jesse ? Non. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Écoute, Jesse est génial. J'adore ses parents. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé avant ? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de Kat. Ouais. Parce que... y a pas grand-chose à dire. Aïe. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout te dire, je m'en fiche totalement. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais je pense qu'elle était pas faite pour toi. Intéressant. Tais-toi. Ok. Tu peux attacher Payette ici. Hé. Tu veux voir un truc hallucinant ? Tu vas te montrer du doigt, c'est ça ? Non, hallucinant, c'est pas le mot. D'accord. Allez, la débile. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein ? C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool, cette route. Où il est, le registre ? Viens. Merde. Tu faisais cette patrouille avec qui avant ? Jesse ? Eugène. Oh, ouais, Eugène. Il était trop drôle. Oh ouais. En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Par ici.
Signe le registre. C'était quoi cet endroit ? C'était une tour radio avant. J'imagine que le banc, c'est celui d'Eugène. Ah, il est à moi. C'est lui qui me l'a donné. D'ailleurs, t'en as sur toi ? Oh, j'aimerais bien. Eugène en avait toujours, lui. Et voilà. Viens voir. La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. C'est un supermarché ? Ouais, on va y passer en allant dans la ville. Viens, on retourne aux chevaux. Question. Tu portais pas déjà les mêmes fringues hier ? Elles sont propres. Je juge pas. C'est une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. C'est quand même canon. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC ? Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Toi ? Jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, hey, je porte des bottes, là. Tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons ? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Bordel. Il fait encore plus froid. Oh, doucement. Qui ont fait ça. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan ? Pas qu'un seul. Ils sont où, putain ? Allons les trouver. Encore du sang. Merde. Il y en a à l'intérieur. Comment ils ont fait pour rentrer ? Coureur. Il est mort. Et dehors. Coureur.
Non. Je crois que c'est bon. Faut encore qu'on s'occupe de ceux dans le supermarché. On va faire le tour. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Ellie, aide-moi à monter. Je vais jeter un coup d'œil. Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Là. Merci. Là, tu vois? Bon, on n'a plus qu'à trouver comment y aller. Là-dessous. Ellie, est-ce que ça va? Ouais. Juste un peu secoué. T'as intérêt à mourir de vieillesse et pas en te faisant infecter. Je veux pas être obligée de te tirer une balle dans la tête. Ok. Super. J'y suis. Eh, j'ai trouvé de l'alcool. Et moi du tissu. Tiens, arrange-toi un peu. Il y a des spores. Il faut les masques. Ok. Oublie pas. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Ah, c'est mignon. Tous ces spores, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. Fais gaffe, les infectés seront plus dangereux. Ces saloperies aveugles me donnent la chair de poule. Hein ? Dina, tu peux m'aider. J'arrive. Je te prépare un cadeau.
J'aime les cadeaux. Tiens, merci. Fais gaffe avec ça. Je maîtrise. Il y en a un paquet ici. T'en penses quoi? On commence par les coureurs. Non. Ça bouge pas. Ah bah, c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Ok. Il y a un câble. Voilà, c'est bon. Ça devrait tenir. Vas-y. Mais grave. Ok, c'est bon. J'y vais. Ici. La tempête approche, là. On est loin du poste de guet. C'est juste après la prochaine ville. Je te suis. Encore loin? Encore quelques minutes! Ok. C'est de pire en pire! On fait demi-tour? C'est trop tard maintenant! On y est presque! Je sais, ma belle. Allez, continue! Dina, c'est encore loin. Dina. Dina. Chier. Ellie. Oh, super. Allez, c'est par là. Où est-ce qu'on va? Fais-moi confiance. Va à l'intérieur.
m'occupe de la porte. T'es déjà venu ? Je suis passé devant. Sans entrer. Quelqu'un a tout verrouillé. Il y a un truc au fond. Je crois qu'il y a un lit. Tu penses que c'est un squatter ? Tu vois un moyen d'entrer ? Chier. Faut que j'aille voir ce qu'il y a. C'est quoi tout ça ? C'est forcément à Eugène. Huh. Ouais, c'est bien la planque d'Eugène. Il faisait partie des Lucioles ? Ouais, avec Tommy. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. Du genre ? Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Ton établi, Eugène. Je parie que tu peux modifier ton arme avec ça. Coucou, toi. Ellie, regarde par terre. Il y a d'autres trucs en bas. Tu vois un moyen de descendre ? Pas ici. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il cachait en bas ? C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. Ça fait beaucoup de weed séché. Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne ? Ça périme, la weed ? On va voir. Un coup de main ? Non, c'est bon. Oh putain ! Donne-moi ça. Quoi ? Tu crois que tu peux faire mieux ? Ah, j'avoue. C'est... Ouais. Ah, et merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ? Bah quoi ? Je l'ai ouvert ? Ça sent bon. Tu sais, on va rester coincé un moment. On est pris au piège. Je peux te poser une question ? C'est pas ce que tu viens de faire ? Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier. Et 10 étant... À
couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Pourquoi tu veux revenir là-dessus? T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça. À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6? Oh. 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Bah, quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Personne t'en empêche. Super désaffecté. Oh putain. C'est de se casser d'ici. Si on sort par derrière, il y a peut-être moyen de faire deux choses. J'ai pas de meilleure idée, en tout cas. Faut qu'on prévienne les autres. Les confier. La porte, vite!
sors par là! Y'a un moyen de monter? Là, utilise ça! Hé, hey, toi! Faut la foutre sur le chariot! Ils sont en train d'entrer! Je déplace la nacelle jusqu'à la fenêtre! Compte sur vous pour me couvrir! Ok! C'est Tommy. Lui, c'est Joël. C'est quoi ton nom? Abby. Abby, tu vas bien? Ouais. Ça va pas tenir. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Jackson. Il faut barricader cette porte. Tommy, on peut pas rester ici. Les chevaux tiendront jamais jusque-là. J'ai des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. Ok. Je m'occupe de la porte. D'accord. Tu viens avec moi. Allez. Allez! Et celle-là? Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé un skateboard. Oh oh. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau. Ok. La brûlure, là. Oh. Je l'ai fait exprès. Pourquoi? Pour cacher une morsure. Juste là. Quand j'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et... En fait, je suis... immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice, avec des traces de dents, des kystes et... Aïe! T'es chiante. Quoi? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde? T'as entendu? Jessie? Oh, merde. Reste où t'es, d'accord? Tout va bien? Non, attends 2 minutes. Hé, hey, retourne-toi, bordel, mais qu'est-ce que tu Putain, fous? Putain, c'est une blague. Vous étiez censé patrouiller.
C'est le blizzard dehors. C'est de la weed? Qu'est-ce que tu fais là? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de guet? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça? On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être entrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et si ils ont besoin d'aide? D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok? Ok. Une seconde. Vous voulez qu'on décèle vos chevaux? Non, non, on va pas s'incruster. On partira dès que la tempête sera finie. Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça? On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité? Et où t'étais passé, merde? Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui, ces types? Et vous êtes là depuis longtemps? Non, depuis hier. Hier? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin? Rien, on fait que passer. Et vous, vous habitez par ici? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on te connaît. Laura, c'est bon? Il est à chasse. Mettez-le contre la vitre. Tommy! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Puta madre. Joël Miller. T'es qui, toi? Devine. Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Soigne sa jambe. Allez! T'as pas intérêt à bouger, putain. Écartez-vous.
vraiment un imbécile. Tu croyais crever si vite ? Vivant. Ah, ok, j'y suis. Joël ? Tommy ? D'où est-ce que ça vient ? Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-le ! C'est qui, ça ? Elle s'est infiltrée ! Mais merde, vous deviez pas monter la garde ? On pensait pas que quelqu'un viendrait ! Vous êtes con ou quoi ? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu fais la même chose que moi. Tue-le. Vite. Joël ! Lève-toi ! Joël, lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça! Pitié, non, fais pas ça! Joël, allez, lève-toi! Non! Non! Va au diable. Arrête-toi, pitié!
Salut. Salut. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr. Maria veut que tu manges quelque chose. Elle pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de renforts. Et Jackson se retrouvera sans protection. On va les laisser s'en tirer comme ça? C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent? C'est toi qui dis ça, ou c'est elle? Elle a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Évidemment que si, putain de merde! D'abord, on n'est même pas sûr qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste? Ils les ont peut-être volés. C'est... Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là? Tu sais quoi? Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok? Tu me feras pas changer d'avis. Donne-moi un jour pour parler à Maria. Ok? Elle pourra bien se passer de quelques hommes. Et si elle n'est pas d'accord? Alors je trouverai une autre solution. Un jour. S'il te plaît. Passer chez lui avant de partir. J'ai un truc à récupérer. D'accord. J'ai pas pu prendre les chevaux. Apparemment, Tommy en a pris un. Du coup, Maria a verrouillé les écuries.
Putain de Tommy. On trouvera une autre solution en chemin. Une voiture, un cheval, autre chose. Ok. Ça va être beaucoup plus dur d'atteindre Seattle. Alors, ce sera plus dur. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Je sais. Je veux juste pas que tu te sentes obligée de venir. Ellie. Si tu pars, je pars. À penser tout. Tu dois aller chercher ton sac à dos. Je l'ai caché près de l'entrée est, pour qu'on puisse s'éclipser. Je peux y aller, dis-moi ce qu'il te faut. Je vais le faire. Ok. Je vais bien. Viens. Je vais t'attendre ici. Merci. Tout va bien ? Oui, oui. Descends, s'il te plaît. Maria, je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier, mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. Ellie va essayer de me suivre, mais tu dois l'arrêter. Prends-lui ses armes. Enferme les chevaux. Elle aussi, s'il le faut. Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Ton mari qui t'aime, Tommy. Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes m'enfermer ? Je voudrais que tu restes. Eh ben, même pas en rêve. Je voudrais que tu restes, mais je te connais.
Tu l'accompagnes? Ouais. Alors, vous allez filer en douce. Hmm? Ouais. À pied? Ouais. J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Prends des munitions aussi. Merci, Maria. Ellie, rends-moi un service. Ramène mon abruti de mari en un seul morceau. Bien sûr. Très bien. Alors partez, pendant qu'il fait jour.